Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réaliser cette vidéo dans le but de vous montrer comment on réalise un sexage ADN sur le site Sexa de Aves. Comme vous le savez, c'est un laboratoire espagnol qui permet de le faire. Mais auparavant, j'avais déjà écrit un article, un tutoriel pour expliquer toute la démarche. Vous pouvez le retrouver ici sur mon site Bird and You dans le lien utile. Vous cliquez sur sexage ADN. Nous voici dans l'article qui explique toute la démarche. Normalement, avec toutes ces explications, vous devriez le faire vous-même, mais en cas de problème, n'hésitez pas à me contacter, soit via le formulaire de contact ici ou en me laissant un commentaire en bas de l'article. Ici. Mais bon, aujourd'hui je vais le faire ce sexage, pardon, désolé, j'ai un peu de mal ce matin, sur le site Sexage de Aves directement. Donc pour le faire, il faut d'abord accéder à votre compte. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-le avec votre mail, adresse, etc. Voilà, on va y arriver. Voilà, nous voilà sur l'interface de mon compte. Comme vous le savez, le site est traduit en plusieurs langues. Vous choisir la langue que vous voulez. Là, c'est français. Donc voilà. Et voilà. Donc dans un premier temps, on va aller dans Ma view, my shipment and result. En fait, c'est juste cette phrase qui n'est pas traduite. Donc, vous ne inquiétez pas, cliquez dessus. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, si vous. Voilà. Donc, dans un premier temps, il faut d'abord commander le sexage ADN. C'est très important. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut aller au magasin. Et là, vous voyez tous leurs produits. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un sexage ADN. Ici. Voilà. Donc, vous avez aussi une option, sexage ADN Express, qui coûte 3 euros de plus que le sexage ADN standard. Donc, 7,50 € pour l'Express. Cela permet d'avoir un résultat sous 4 jours. Mais bon. Parfois, avec un sexage ADN standard, on a le même délai. Donc, moi, je suis pas pressé. Je vais choisir ce produit-là. Donc, je vais l'ajouter au panier. Je le vois ici. Et il faut régler le produit. Voilà. Donc, on a le sexage ADN. Son prix, la quantité et le prix total. Donc c'est 4,50 € sans un centime de plus. Voilà. Donc défilez la page jusqu'en bas. Vous allez voir votre adresse qui est déjà mentionnée. S'il y a une erreur, vous pouvez la corriger, pardon. Après, cliquez sur suivant pour vérifier vos identifiants, adresse, puis frais de port. Il n'y en a pas, vous inquiétez pas, parce qu'en fait c'est un sexage ADN en ligne. Puis vous payez, vous avez plusieurs options. Moi je choisis toujours par PayPal, donc c'est le plus simple. Vous pouvez aussi payer par carte bancaire, par d'autres plateformes de paiement, mais bon, PayPal pour moi c'est le plus simple. Donc si vous avez respecter toutes ces étapes-là, vous allez avoir une page où vous allez trouver le formulaire, votre formulaire de sexage. Pardon, il y a une erreur. Bon, je la ferme. Voilà. Donc, bon, hormis ça, si vous avez payé, vous allez retourner sur votre compte. Ça rame. View my shipment and result.
suis un peu malade, mais bon, à chaque fois que je fais une vidéo, je suis enrhumé. C'est un hasard, mais bon, c'est comme ça. Mes envois. Vous cliquez sur nouvel envoi. On voit déjà, vu qu'on a déjà payé le produit, on le voit ici, 1, 2 disponibles. Donc, vous cliquez sur ajouter un nouvel envoi. Puis, voilà. Donc là, vous choisissez l'espèce. Là, vous avez toute la liste par ordre alphabétique. Et là, vous avez toutes les espèces. En fait, si vous n'arrivez pas à trouver votre espèce ici, sachez que tous les noms ici que vous voyez ici, c'est des noms scientifiques. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, il faut par exemple, si... par exemple, je sais que c'est une perruche Catherine. Son nom scientifique, je sais, c'est lequel. Donc, il faut que je cherche dans l'épée. Voilà. Donc, c'est... Bon, le nom est un peu compliqué, mais bon, il faut toujours trouver le nom scientifique. Vous soyez sûr que c'est votre ça appartient à votre espèce. Donc, vous cliquez dessus. Voilà. Toujours cette erreur-là qui me dérange, je sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai même pas le temps de lire. Je vais fermer ça et je verrai ça plus tard. Donc, voilà. Il faut mettre le numéro de bague. Bon, le numéro de bague, je l'avais noté quelque part ici. Parce que hier, j'avais... Voilà, le bague. Voilà, je l'avais noté ici. Je le tape ici. Sa date de naissance, bon, j'ai pas le jour exact, mais je sais que la perruche est de 2015. Commentaire, bon, vous mettez ce que vous voulez. Bah, moi, je vais mettre quand même perruche. Catherine, surtout sa mutation cobalt. Voilà, et là je valide le sexage que j'avais déjà commandé. Et là, je choisis le type de prélèvement, donc c'est par plume. Il vous reste de cliquer ici, effectuer l'envoi. Je mets OK. Voilà, félicitations, l'envoi a été géré avec succès. Donc c'est bon. Donc là, vous tombez sur votre formulaire. Voilà. Si pour X raison vous n'êtes pas sur cette page là, vous ne vous inquiétez pas. Il faut aller sur mes envois toujours. Mes envois ici. Et vous allez tomber dessus. Donc c'est un PDF que vous allez ouvrir. Ouvrir et télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous l'imprimez et après vous allez coller les plumes dessus avec du scotch. Vu que les extrémités, et ne touchez jamais les embouts avec votre main pour pas polluer l'échantillon. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc vous avez le formulaire ici. Donc, numéro d'envoi, client, échantillon, espèce, voilà. Son numéro de bac, sa date de naissance et le commentaire que j'ai rajouté. Et ici, vous venez coller vos plumes. Comme c'est indiqué ici. Donc, ici, vous mettez du scotch. Vous collez les extrémités de la plume sans toucher ici. Soyez vigilant à ce niveau-là pour pas polluer vos échantillons et comme ça vous êtes sûr d'avoir un résultat fiable et sûr. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous coupez ici. Vous pliez la feuille ici et vous mettez ça dans une enveloppe et vous envoyez ça. Et voilà. Et c'est terminé. Donc j'espère que j'étais clair. Et oui, très important. Donc l'adresse où vous devez envoyer, pardon, c'est toujours la même erreur. Si vous devez envoyer l'échantillon, c'est ici là. Voilà, donc l'adresse elle est là. Donc voilà, on a terminé. Et bon sexage à vous. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou me contacter directement via mon site Bulldingue. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao.